Les amis, il est actuellement 3 h du matin et regardez, il y a des traces de sang partout dans ma maison, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Wow, vous avez entendu en plus, il y a des bruits, j'ai l'impression que ça provient du grenier. Ok, il y a une porte qui s'est claquée également. Oh là là, je suis vraiment pas rassuré les amis. On va monter à l'étage et découvrir ce qui s'y passe. Mais j'ai super peur, je devrais peut-être aller chercher une arme là en plus, j'ai rien sur moi. Ok, ça vient d'ici les amis, les bruits. Attention. What? Mais c'est quoi ça? Ok, il y a des squelettes. Il y en a un accroché au mur carrément avec du sang là. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma maison? Oh les amis, je suis vraiment pas du tout rassuré là. Je vais descendre du grenier. Ok, j'ai entendu quelqu'un rigoler en plus là. C'est quoi ce délire les amis? Ok, il y a une bombe fumigène quelque part. Wow. J'ai super peur les amis. Ok, elle provient du grenier. Mais what? J'ai été là-bas, j'ai pas vu. C'est quoi ce délire? Ok, attendez, on va remonter au grenier. Oh, c'est qui est dans ma maison? Wow! Ok, les amis! Wow, j'ai pas très très bien vu, mais je crois que c'est Pou! Mais qu'est-ce que fait? Enfin, qu'est-ce qu'il fait là, Pou? Wesh! C'est quoi ce délire? Bon, les amis, je vais aller réveiller Ladybug. Elle doit dormir dans le salon normalement, mais what? Ok, je suis vraiment pas rassuré. Bon, ce qu'on va faire avant d'aller réveiller Ladybug, les amis, c'est qu'on va aller directement chercher une arme, tout simplement dans mon bunker sécurisé. Hop, let's go, je vais essayer de me dépêcher. Mais en tout cas, il y a Pou, version 3 h du matin, qui est actuellement dans ma maison, les amis. Je sais pas qu'est-ce qu'il me veut, mais ça m'inspire pas du tout confiance. Du coup, hop, on va prendre plein d'armes, les amis. On va prendre toutes les munitions qu'il faut. Hop, ok, c'est parti, on remonte. Bon, j'espère que Ladybug est pas en train de se faire attaquer par Pou actuellement dans mon salon. Ça serait dommage. Hop, allez, let's go, on va vite rejoindre Ladybug. Oh, Ladybug, Ladybug, réveille-toi. Ok, elle était... Oh, tu m'as réveillé, Hassan. T'étais déjà réveillé? Non, j'étais entendu crier, du coup, père, et voilà. Ah ouais, bah c'est très très grave, là, il y a actuellement quelqu'un dans la maison. Et je pense que c'est Pou, je sais pas si tu vois c'est qui Pou. Mais c'est qui Pou? Bah c'est la grosse patate là, enfin bref, je sais pas comment trop t'expliquer, mais enfin bref, j'ai pas l'impression qu'il est dans son état normal là, clairement, puisque viens voir dans le grenier, il y a tout simplement du sang, enfin du sang, tu vois c'est qui du coup Ladybug? Ouais, je vois qui c'est l'espèce de jeu de téléphone là. Ouais, c'est le personnage dans un jeu de téléphone, d'ailleurs dites-moi en commentaire les amis si vous connaissez ce jeu. Oh, t'as revu quelque chose là? Il y a une fumigène qui a été lancée sur moi. Ouais, non, mais il y a vraiment quelqu'un dans la maison, ça m'inspire vraiment pas confiance. Viens voir Ladybug, je vais te faire montrer. Bon, ça me rassure un peu plus d'être avec Ladybug et des armes, les amis. Au moins, pas aller dans le grenier. Un peu plus. Il y a du sang. Bah oui, il y a du sang par terre là, et regarde ce qu'il y a. Il y a des gens qui se sont fait tuer clairement dans mon grenier. Du coup, voilà, je sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais là, waouh! Ok, fais gaffe, bouge. Ok, redescends. Hop, je vais fermer la porte. Bon, ce que je veux faire, Ladybug. Si je pense qu'il va passer, je pense que c'est pas une porte qui va l'arrêter. Mais du coup, ce que je vais faire, Ladybug, c'est que je vais aller acheter des caméras de surveillance. Et toi, au pire, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans le bunker en attendant, d'accord? On va essayer de sécuriser le bunker et on va finir notre nuit, enfin, dans le bunker. Je pense pas que dans le bunker il arrivera à rentrer, mais dans la maison là, c'est vraiment pas sûr du tout. Du coup, Ladybug, tu fais ça, ok? On se retrouve tout à l'heure. Ça va, bah allez, on fait ça, à tout à l'heure. Vas-y, à tout à l'heure. Bon, allez, let's go. Moi, je vais descendre en espérant que ma voiture n'ait pas cassé, les amis, qu'il ne l'a pas détruite. Et on va se diriger direction l'épicerie de nuit, l'épicerie d'Apou. Voilà, c'est un 24-24, donc il vend un peu de tout, les amis. Et j'espère qu'il aura des caméras de surveillance à me vendre. Ok, let's go. Bon, en tout cas, en attendant qu'on fasse la route, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la petite cloche des notifications si vous connaissez Pou, les amis. Si on pourrait atteindre les 300 000 abonnés avant la fin de l'année, ça me ferait juste super plaisir. Du coup, je compte sur vous. Et du coup, mettez également un énorme like si on pourrait atteindre les 300 pouces bleus. Comme ça, je referai plein de vidéos avec Pou, mais peut-être la version de Pou plus gentille, parce que là, clairement, il a pas l'air très commode, ce Pou. Enfin bref, du coup, c'est bon, on est arrivé devant l'épicerie de Apou, les amis. La porte est ouverte, c'est-à-dire que le magasin est ouvert, c'est super. Apou, t'es là? Ouais, je suis à l'étage. T'es à l'étage? Ok, on va aller le rejoindre, ouais, les amis. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait à l'étage? Me demande bien, les amis, puisqu'à chaque fois que je viens, il est tout le temps à l'étage. Ah, ok, t'es en train de trier des vêtements, là? Exactement, je suis en train de revoir le prix, là. Et puis, parce que c'est les soldes, là, bientôt. Ouais, c'est les soldes, bientôt, mais... Enfin, faudrait peut-être changer les vêtements avant, là, parce qu'ils sont pas top, en vrai. Hein. C'est peut-être pour ça que t'arrives pas à en vendre à Pou, en vrai, hein.
Bah tu sais, pourtant je suis devant la faire là, sur les vêtements là. Ah ouais, t'arrives à revendre pas mal en vrai? Bien sûr, Ok, bien bon sûr, j'arrive bref, à les faire là. Apu, on n'a pas trop de temps de discuter de ça, même si c'est moi qui t'ai Oh, lancé qu'est-ce dans que le tu prends sujet de encore? discussion, je t'avoue. Parce que là, c'est une urgence, il y a tout simplement un monstre, je crois, chez moi. Et bah du coup, j'aurais besoin de caméras de surveillance, ainsi que la tablette pour les visionner qui va avec. T'aurais ça, Apu? Ouais, bon, j'espère que par contre t'as pris les sous, hein, parce que moi j'en ai marre d'avoir des notes rasen de partout là. Ouais, t'inquiète, j'ai les sous. Oh là, les amis, j'ai encore oublié l'argent sous la précipitation. Bon, c'est pas grave, j'ai des armes au pire des cas, si. Il me demande des sous, je vais le braquer, je vais partir en courant. Bon, ne faites jamais ça dans la vraie vie, les amis. Mais là, c'est une extrême urgence, en vrai. C'est bon, t'as trouvé un pot, en vrai. Oui, alors, j'espère que t'as pris tes sous là pour rembourser toutes tes dettes, hein, Ouais, moi je te le dis, hein. t'inquiète pas, je Je sais le que j'ai dis beaucoup là. de dettes, mais à chaque fois, j'oublie, hein. Mon argent, c'est pas de ma faute, mais après, je te rembourse à chaque Alors. fois, en vrai, un pot. Ouais, Hop, ouais, ok, ouais. nickel. Bon, les caméras, la petite tablette. Bon, du coup, ouais, je vais. Qu'est-ce que tu fais là? Ok, il ferme la porte. Là, Ouais, tout de mais. suite! Ouais, mais le problème, c'est que le portefeuille, il est dans ma voiture, Apu. Je vais le chercher et je reviens. Tout de suite! C'est pas une excuse! C'est pas une Oh, excuse! ouais, C'est calme-toi, pas moi une aussi j'ai des excuse! armes. Hein. Moi aussi j'ai des armes. Oh, il est en train de tirer. Ok, les amis, vite, on va Viens partir. là! Eh, bouge pas, bouge pas, bouge pas, je te braque là, je te braque. Qu'est-ce que tu vas faire là? Eh, rentre dans ton magasin là, Je vais dépêche-toi. allumer la TNT! Eh, non, non, Je non, vais allumer la non, non, TNT! t'allumes Je vais rien du allumer tout. la Ok, TNT! bah allume la TNT si tu veux. Mais moi, je me taille. Salut, hop, ok. Ah, il est en train d'allumer la TNT, les amis. Non, 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 il en met à côté de ma voiture. Ok, bon, salut, hein. Wow, on a eu super chaud, les amis. La voiture a failli exploser avec ses TNT et moi avec, du coup. Ok, eh, mais attendez, mais Apu, c'est carrément un kamikaze, hein. Juste parce qu'on le paye pas. Bon, après, je peux comprendre. Ça fait tellement de fois que j'oublie de le payer. Mais promis, les amis, je vais lui rendre bah, toutes les factures que je dois lui payer. Il n'y a pas de souci. Mais là, vraiment, on n'a pas trop le temps de s'occuper de ça, je vous avoue. Puisqu'il y a bien plus grave bah, actuellement chez moi. D'ailleurs, j'espère que Ladybug va bien, les amis. Normalement, je lui ai dit d'aller dans le bunker. Hein. Donc voilà, j'espère qu'elle s'est enfermée dedans. Et bah, normalement, il n'y a pas trop de risque pour qu'un monstre rentre dedans. Mais bon, on sait jamais. On va aller voir dès maintenant. Ladybug, tu m'entends? What? Attendez, mais c'est quoi ça? Il n'y avait pas du sang là tout à l'heure? Oh, wesh! C'est quoi ce délire? Ok les amis, il y a du sang un peu partout au rez-de-chaussée là. Mais le sang, il était à l'étage normalement. Oh, bon, on va suivre les traces de sang. J'espère qu'il n'est rien arrivé à Ladybug les amis. J'ai super peur. Oh là là, c'est quoi ça? Wesh! Attendez, mais c'est une poubelle! Non, il y a écrit Ladybug dessus, ça veut dire que... Ah, les amis, j'ai envie de vomir. Oh là là, wesh, il y a de ces odeurs. Oh là là, c'est dire que le corps à Ladybug est dans la poubelle actuellement et que Pou l'a tué. Oh là là, et ça, c'est probablement le crâne de Ladybug. Mais attendez, mais wesh, c'est quoi ce délire là? On est vraiment dans un film d'horreur là, c'est pas possible. En plus, j'entends des bruits de grenier depuis tout à l'heure. Pou doit être sûrement dans le grenier. Ah, c'est quoi ça? Oh, il est là, les amis. Ok, il est là, vite, 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 je vais descendre au bunker. Oh là 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 là, okay, il est en train de jeter des fumigènes. Bon, ça va, pour l'instant, il m'attaque pas au corps à corps, les amis. Mais vu comment il a rendu, enfin, il a carrément tué Ladybug. Je donne pas cher de ma vie si je reste en haut avec lui. Du coup, on va vite se dépêcher d'aller au bunker. Mais attendez, mais la porte, elle est même pas ouverte. Ladybug, elle a même pas eu le temps d'aller dans le bunker, ça veut dire? Wow, bon, il se passe des trucs très très étranges, quoi qu'il en soit, dans ma maison, les amis. Du coup, je vais mettre deux caméras de surveillance juste ici. On va quand même regarder qu'elles fonctionnent. Et bah, comme ça, si jamais Pou essaye de descendre de l'ascenseur, eh bien, on le verra bah, tout simplement sur les caméras de surveillance. Et au pire des cas, est-ce que je pourrais trouver un moyen de détruire l'ascenseur, les amis? Non, je pense pas que je peux détruire l'ascenseur. Mais bon, c'est pas grave, normalement, dans le bunker, on sera protégé. Du coup, hop. Je ferme la porte du bunker et bah du coup les amis ce que je vais faire c'est que bah je vais essayer de dormir parce que mine de rien je suis quand même fatigué en vrai j'ai pas eu le temps de dormir de la nuit et là les amis il est presque 3h du matin du coup je vais essayer de dormir et si jamais bah il se passe quoi que ce soit qu'il y a le moindre bruit et eh bien tout simplement je reprendrai la caméra et je rallumerai la vidéo les amis pour vous faire montrer. En tout cas voilà, je vais faire une petite sieste et on se retrouve si jamais Pou arrive à descendre jusqu'au bunker. Du coup peut-être à tout de suite. A few moments later. Absolument. Je vais te tuer. Wow! C'était quoi ça? What? Ok les amis, ça m'a réveillé en sursaut, mais c'est quoi ce délire?
Ok, mais pou, il a carrément un lance-roquette, il a détruit tout le bunker. Oh là là, il a servi à rien. Wow, il peut carrément se téléporter. Aïe, il est occupé de m'attaquer, les amis. Non. Ok, vite, l'ascenseur n'a pas l'air détruit, les amis. On va vite remonter au premier étage. Bon, c'est peut-être... Enfin, c'était peut-être finalement une mauvaise idée de rester dans la maison parce que même le bunker n'a pas réussi à tenir face à Pou, les amis. Bon, en tout cas, on a pris une petite avance le temps qu'il remonte vu qu'il est un petit peu gros. Voilà, il va peut-être un petit peu galérer à remonter. Mais là, faut vraiment que je quitte la maison, les amis. Ça en est trop pour moi. Déjà, au tout début, on a trouvé des squelettes morts, hein, du coup, dans mon grenier. Ensuite, c'est Ladybug qui s'est fait tuer, je crois, par Pou version 3h du matin. Là, faut vraiment pas que je reste chez moi, les amis. Du coup, c'est parti. On va essayer de trouver une cachette, pour l'instant ça va. Oh si, non, j'allais parler trop vite les amis, j'allais dire qu'il ne me suit pas, mais je crois qu'il est en train de me suivre, hein. Wow, ok, en plus il fait super flipper, là on le voit très très bien les amis, regardez, il a des yeux tout rouges et sa bouche, elle m'inspire pas trop confiance, j'ai l'impression qu'il a envie de me manger. Bon, du coup on va essayer d'aller trouver une cachette les amis. Au pire, j'ai peut-être une idée. On va essayer de monter tout en haut de la montagne, les amis. S'il détruit pas les escaliers de la montagne, tout simplement avec son lance-roquette. Hop, allez, j'espère que ça va aller. C'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai. Mais bon, hop, on va taper le footing de notre vie, les amis. On n'a pas le choix. Let's go, let's go, let's go. Il nous suit encore en vrai ou pas? Attendez, je vais regarder un petit peu. Wow, en tout cas, il fait super flipper. Sa voix fait très très peur, les amis. On dirait un antagoniste d'animé. Ok, les juste là, il est en train de poser des TNT, vite. Faut que je cours, mais attendez, mais à tout moment Pou, c'est à Pou en vrai. Et en plus il y a qu'une lettre d'écart. Oula, attendez, je commence à douter par contre. Wesh, parce que à Pou, il avait aussi des TNT sur lui. Et là Pou, bizarrement, on a aussi. Enfin bref, là c'est pas le moment de réfléchir à ça. Il faut vite courir pour notre vie, les amis. Let's go, on a déjà fait la moitié de la montagne, on a gravi la moitié de la montagne. Il reste plus que l'autre moitié, les amis. Oh non, par contre, il a détruit là. Oh, comment je vais faire? Oh non, les amis, attendez, il faut absolument réussir à passer de l'autre côté. Attendez, je vais essayer de faire un peu comme ça. Mais je crois que j'aurai pas assez de blocs. Ah non, j'aurai pas assez de blocs, malheureusement. Attendez, on va se servir de tout ce qu'on a. Hop, on va se servir de ça aussi. Ah, mais je peux plus, mince. Attendez, si je le pose ici comme ça, il y a un monde où je peux sauter. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Hop, bon, franchement, c'est le parcours du combattant pour arriver en haut. Mais voilà, allez, ça devrait aller. On va s'en sortir, les amis. J'y crois. Là, par contre, comment je vais faire? Attendez, hop, on va faire comme ça. Ok, mais c'est carrément un jump là, ce délire. Bon, allez, vite, 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 on se dépêche. Et en plus de ça, il peut se téléporter. J'ai oublié, mais là, je l'ai entendu se téléporter, les amis. Ça veut dire qu'il est peut-être déjà en haut de la montagne. Ok, il est bel et bien en haut de la montagne, les amis. Oh, ça va être très compliqué de trouver une cachette. Il veut pas vraiment, et il veut vraiment ma peau, hein, j'ai l'impression. Oh, il a envie de me manger, j'ai entendu. C'est peut-être pour ça. Après, ça me laisse un avantage. Du coup, ça veut dire que il va peut-être pas me tuer par balle. Il veut peut-être me manger vivant, les amis. J'en sais rien. En tout cas, voilà, il veut me manger, ça c'est sûr. Mais il va pas réussir à me manger. Je suis un poulet de trop bonne qualité, les amis. Je suis du label rouge. Il va pas me manger si facilement. Ok, allez, let's go. Ok, on va descendre l'échelle, les amis. J'ai peut-être une idée de cachette, mais là vraiment, ça va être compliqué. Hein. Comme je vous le disais, les amis, il veut vraiment pas me lâcher. Hop, allez, on va descendre tout en bas de la forteresse. Ok, en plus je comprends pas trop ce qu'il me raconte. Mais voilà, j'ai pas trop envie de savoir. Est-ce que là je peux sauter, vous pensez, les amis? Attendez, ouais, ça me paraît haut, quoique. Allez, c'est parti, hop, aïe. Ok, ça fait un petit peu mal, mais bon, let's go. On va essayer de courir vers la maison abandonnée de la forteresse, les amis, en espérant qu'il me trouve pas là-bas. Mais là, ouais, clairement, il est vraiment proche de moi, hein. Est-ce que si je lui tire des balles, vous pensez que ça va le faire reculer un petit peu? Ah, il y a un monde. Ok, ouais, ça a l'air de marcher, les amis. On va continuer comme ça d'avancer. Et à chaque fois qu'il sera un peu trop près de nous, on va lui tirer des balles dessus, c'est plutôt efficace, je pense. Ok, d'ailleurs, c'est quoi ça? Ok, il y a un oiseau là. Hop, let's go. Ok, la maison abandonnée juste là. Je vais regarder s'il est encore derrière moi. Non, ok, c'est bon, j'ai pris de l'avance sur lui. On va rentrer vite, vite, vite. Et au pire des cas, je vais mettre une petite caméra de surveillance juste ici. Hop, ok, let's go. On va vérifier la caméra du coup s'il arrive. Ok, on le voit là. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de tourner autour de la maison, mais je crois qu'il m'a pas vu rentrer, les amis, hein. Bon, par contre, il est vraiment proche. On va essayer de chuter, les amis. Faut pas faire de bruit. Ok, là, on l'a bien dans l'angle de la caméra. Ok, qu'est-ce qu'il fait là? Il jette des fumigènes. Ok. Il s'est téléporté, apparemment.
Ah! Oh, il est juste là! Ok, bon, malheureusement, la cachette n'a pas marché. Mais attendez, mais il est vraiment coréen, ce pouls. Il veut vraiment pas lâcher l'affaire. Comment je vais faire, les amis? Bon, on va passer par ici, les amis. Ah, j'ai peut-être une autre idée de cachette. Mais en tout cas, voilà, ça me fait super flipper, là. Je pense que je vais probablement mourir si je trouve pas une autre solution. On va essayer de descendre. Ah, attendez, j'ai une idée de cachette. Je sais pas si Pou, il aime bien l'eau. Mais en tout cas, j'ai une idée de cachette qui peut être vraiment pas mal. Par contre, il va falloir remonter toute la route là. Ok, monsieur encore ou pas? Ouais, il est juste là. On va essayer de tirer des balles pour le ralentir. Allez, dégage de là, là, Pou. Ok, let's go, les amis. Mais d'ailleurs, on peut l'appeler Scary Pou, hein, très clairement, parce qu'il fait vraiment très très peur. Hop, let's go. Ok, je crois qu'on est bientôt arrivé au niveau de la sortie du tunnel, tout simplement. Quoique, en vrai, le tunnel il a l'air très très long, les amis. Est-ce qu'il est encore derrière? Non, c'est bon. J'ai pris une petite avance sur lui, du coup. Let's go, les amis. Ok, 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 on s'arrête pas, on s'arrête pas. Ouais, il a parlé, j'ai rien entendu de ce qu'il a dit. Wow. Ah non, les amis, je suis tombé dans l'eau. Ok, bon attendez, on va voir s'il aime bien l'eau. Je vais regarder derrière moi. Normalement, il devrait apparaître là-haut, les amis. Ok, attention. Bon, s'il apparaît pas, c'est tant mieux en vrai, hein. Mais ok, bon, par contre, ce rire-là m'inspire vraiment pas trop. Ok, il est en haut. Est-ce qu'il va oser faire le plongeon, les amis? Attention, suspense. Ok. Ah, je crois qu'il a peur de l'eau. Ah, bah non, il a sauté. Ok, bon, bah vite, faut courir maintenant. Je vais essayer de tirer des balles. Comme ça, il va peut-être se noyer, les amis. Hop, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ok, bon, ça a l'air de fonctionner. Il est en train de se noyer, les amis. Mais du coup, moi, je vais aller à ma cachette. Wow, il est en train de parler. Je comprends rien à ce qu'il raconte. Hop, j'ai une cachette. Oh, il se fait manger par les requins. Eh bah, tant mieux, cher. Bien fait pour toi. Ok, nous, pendant ce temps-là, il faut que je trouve l'entrée de la cachette, les amis. Elle est juste là. Ok, bon, par contre, je vais me noyer, les amis. J'ai vraiment. Je peux vraiment plus trop respirer là sous l'eau. Bon, après, ça va, on reste dans Minecraft. Je vais pas mourir tout de suite, mais quand même. Ok, les amis, regardez du coup ma cachette secrète. Il s'agit tout simplement d'un bateau abandonné, les amis. On va se cacher ici. Bon, en tout cas, j'entends plus la voix de Pou pour l'instant, ça me rassure. Mais wow, d'ailleurs, regardez, wesh. Il y a carrément un trésor ici. Eh mais je vais tout ramener chez moi, ça va me servir à réparer ma maison, hein. Bon, ça ramènera pas les debugs malheureusement. Mais ça, voilà, on verra prochainement dans une autre vidéo, les amis, pour essayer de faire ressusciter les debugs. En tout cas, je pense que là, clairement, le plan, il a marché, hein, les amis. J'entends plus de Pou à l'horizon. Bon, j'entends des bruits actuellement. C'est peut-être Pou qui est en train de se faire manger par les requins, du coup. En tout cas, c'est bon signe. Mais voilà, on va essayer d'ouvrir la porte prudemment. C'est peut-être un piège, hein. Peut-être qu'il nous attend derrière la porte, les amis. Je ne sais pas. Du coup, c'est parti. J'ouvre la porte. Ok, il y a l'air d'avoir personne. Bon, on va vite remonter à la surface, les amis. On va passer par ici. Je sais pas où ça nous mène exactement. Peut-être, du coup, en haut de l'île, les amis. Mais en tout cas, voilà, la cachette était plutôt utile. Hop, ok, ouais, là, actuellement, du coup, on est tout en haut de l'île. Et la dernière fois que j'ai vu Pou, il était là-bas. Attendez. Oh, regardez, il y a un requin juste à côté. C'est probablement lui qui l'a mangé. Ok, bon, du coup, il y a un requin qui a mangé Pou actuellement. Par contre, il y a quelqu'un qui vole là-bas. Attendez, c'est quoi ce délire? Oh, wesh, mais c'est qui ça? Attendez, wesh. Oh, c'est des camas, des camas. Oui. Pardon, j'étais endormi. Ouais, j'ai cru que t'allais me mettre un vent. Mais en vrai, là, tu sais, tu devineras jamais ce qui m'est arrivé. C'est un truc de dingue. Ouais. Il y a clairement Pou, tu vois, c'est qui Pou, le jeu mobile? Ouais, le jeu de la patate là. Je sais pas trop si c'est une patate, les amis, dites-moi c'est quoi en commentaire exactement Pou. Bref, c'est long à t'expliquer, mais en gros, il a clairement essayé de m'attaquer dans ma maison. Il a fait plusieurs victimes dans ma maison et il a même tué les debugs. Pourquoi tu prends cette voix bizarre là, Nekama? Ça me fait peur un peu là. Ah non, genre vraiment, j'ai une voix normale, que je suis. Putain, mais sérieux, il a vraiment tué les debugs, genre? Bah ouais, il a tué les debugs. Bon, après, on va peut-être trouver un moyen de la faire ressusciter, vu qu'on est dans Minecraft. Mais voilà, bon, le principal, c'est que j'ai réussi à lui échapper. Et je crois qu'il s'est fait manger par un requin, là, actuellement, dans l'eau. Bref, c'est une longue histoire.
En tout cas, voilà. On va aller retourner à ma maison. Du coup, je vais te faire montrer, mais tu verras, il y a plein de Ouais, vas-y. Franchement, c'est pas très beau à voir. Hein. Je sais pas si t'aimes bien les scènes un peu glauques, mais là, clairement, c'est le cas hein, chez moi. Bah, les jeux d'horreur, c'est mon truc, mais. Après, dans la vraie vie, je Minecraft, pense que c'est différent, ouais, un petit peu quand même. Ouais. En tout cas, les amis, hop. On arrive chez moi. D'ailleurs, est-ce qu'il a détruit ma voiture? Non, il a pas détruit ma voiture. Oh, attendez, je me suis fait téléporter là carrément. C'est toi qui m'as téléporté, Nekama? Non, je pense que c'est bug de connexion, mais je suis pas sûr. Ok, ouais, probablement. Bon, du coup, ok, regarde là, tu vois déjà le sang, si tu regardes un petit peu à travers les vitres. En tout cas, oh, voilà, va falloir nettoyer tout ça, et ça va être très très compliqué. Ouais. Mais enfin, bref, du coup, voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Le principal, comme je disais, c'est qu'on est encore vivant. Ah ouais, par contre, tu vois, il y a un énorme trou qu'il va falloir réparer ici, malheureusement. Pour une fois, c'est pas de ma faute. Pour une fois, parce que la précédente vidéo, d'ailleurs, je vous invite à aller la voir, c'était de sa faute. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite cloche des notifications comme j'ai dit au début de cette vidéo. Mettez également les 300 likes et n'hésitez pas à mettre le petit commentaire pour me dire si vous connaissez Pou. Et en tout cas, un grand merci à Nekama d'avoir participé à cette vidéo. Sa chaîne sera en description. C'est lui qui a joué tous les rôles de cette vidéo. Du coup, allez voir son contenu sur sa chaîne. Et sur ce, je vais aller finir ma nuit mine de rien parce que j'ai pas dormi. Du coup, là, c'était Razo. On se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut, salut.